Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Parabole. Ce numéro est entièrement consacré à un fléau malheureusement trop répandu, le harcèlement scolaire. Ce phénomène est à l'origine de beaucoup de mal-être chez les jeunes aujourd'hui, pouvant même aller jusqu'au suicide. En 2010, l'association Toujours Là a été créée en Alsace pour venir en aide et aider ces jeunes à se reconstruire, suivant le parcours de vie de Coraline et de Geoffrey. La première fois que Coraline a déclenché cette sonnette, c'était il y a un peu moins de 2 ans. Ça va, ça va bien ? Je t'en prie. Merci. Je me sentais comme j'arrivais là, comme j'étais partout. C'est-à-dire que même physiquement, j'étais pas bien ou j'étais tout le temps hyper stressée. J'avais mal au ventre, envie de vomir, tellement j'étais angoissée. Oh, salut. Salut, ça va ? Ça va ? Ici, elle est reçue par deux femmes que l'on appelle des écoutantes, Marie-Marguerite et Sophie. C'est que dès qu'on offre un endroit où on peut questionner le sens, où on peut réfléchir, où on peut se mettre à juste rêver aux choses aussi, les jeunes, ils sont là. Ils sont intelligents, ils sont fins, ils sont perspicaces, ils sont courageux. Il faut donner l'occasion. Et cette occasion est donnée par l'association TJL, Toujours Là. Elle accueille et écoute des jeunes de 15 à 25 ans. Je pense que nous, à TJL, on est là parce qu'on est passionné par les jeunes et on est passionné par le fait de les aider à retrouver une vie plus légère. Mais avant de retrouver cette légèreté, Coraline a connu des moments difficiles. Mon mal-être est venu du fait que je me suis fait harceler pendant toutes mes années collège-lycée. Et voilà. Et du coup, c'est pas un moment très agréable à vivre. On n'a pas les armes pour se battre contre ça quand on est aussi jeune. Donc ça venait de là. Son calvaire a duré 7 ans. Tous les jours, on continue. Il y a un groupe avec un leader qui... ils étaient dans ma classe, donc forcément, je les voyais tous les jours. Qui insulte, qui montre à tout le monde que « Ouais, non, toi, chaque fois que tu fais quelque chose, c'est vraiment de la merde. » Enfin, désolée pour le mot, mais c'est un peu ça. Qui dénigre, « J'ai pas le droit de m'asseoir avec eux à table, j'ai pas le droit d'ouvrir la bouche quand il y a des discussions en débat ou des choses comme ça. » Aujourd'hui, elle est étudiante en licence Sciences de la Terre. À 21 ans, elle relève la tête. Maintenant, j'ai aucun problème à aller vers les autres, à me lâcher, à rigoler, à affirmer que je fais des scouts, que je fais du sport, de la musique, et voilà. Du coup, j'ai trouvé les choses qui me plaisent, je m'investis dedans, et voilà, je m'y retrouve pleinement, donc je suis heureuse. Il est difficile de croire, quand on voit ce jeune homme de 27 ans, qu'il est lui aussi passé par des périodes très sombres. J'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir m'en sortir. Il y a un moment donné où voilà, j'avais la banque qui m'appelait toutes les semaines, vous êtes à découvert. Écoutez, si ça continue comme ça, vous allez passer à la Banque de France, vous allez être interdit bancaire. Enfin, c'était très difficile à vivre et ouais, à ce moment-là, j'ai fait un nœud coulant et je l'ai passé autour de mon cou. Et puis là j'ai commencé à penser à ma mère. Donc je suis pas allé jusqu'au bout. Tout ce qui me restait à faire, en fait, c'était de pousser la chaise. C'est tout ce qui me restait à faire, c'était de pousser la chaise et de tomber, quoi. Et puis c'était bon. Avant de penser à en finir, Geoffrey a traversé de nombreuses difficultés. Bon, il y a eu d'abord la période scolaire où j'étais très mal, hein, donc j'étais vraiment la tête de turc, hein, c'était le harcèlement, harcèlement physique, harcèlement moral à l'école en permanence pendant toute ma scolarité. Derrière ça, forcément il fallait que je trouve une échappatoire, donc j'ai commencé la consommation de stupéfiants, donc au début c'était cannabis. Quand mon père est décédé, derrière ça, donc j'ai été cambriolé séquestré un été, 6 mois après mon père est décédé. Et du coup, moi, je suis parti directement dans la vie active. Et là, j'ai commencé à taper dans des drogues qui étaient bien plus dures. Hein. J'ai commencé à taper vraiment
dans le genre de drogue où là, à l'heure actuelle, je peux dire que j'ai de la chance d'être encore entier, de pas avoir de séquelles et d'être surtout encore en vie, quoi. Quand Geoffrey s'est retrouvé à la rue, il a enfin accepté d'être aidé, notamment par son amie Alicia. J'allais te demander quoi de neuf. Trop de choses. Trop de choses. Trop de choses. Tu vas me raconter ça? Ouais. J'ai arrêté la clope. Ah, ça c'est bien. Alors là, tu me fais plaisir. Pas trop dur? Non, ça va, ça fait un mois et demi, là. Nous, on l'a plus aidé pour des petites choses au quotidien, finalement, et peut-être plus pour un soutien moral, je dirais. Mais après, dans tout le reste, dans tout ce qui est peut-être l'administration, et puis de se prendre en main pour faire face peut-être à ces problèmes, nous, on avait peut-être aussi nos limites, on avait notre vie quotidienne, où c'est pas toujours facile, hein. On a nos propres soucis à gérer. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était... Enfin, moi, j'ai peut-être atteint ma limite dans ce que je pouvais faire pour lui. Et c'était bien qu'il ait ce ressort là derrière et ce soutien. Ah, bah coucou. Salut Joe. Ça va? Ce soutien, il l'a trouvé auprès de TJL. Bah, ce qui me revient à l'esprit, c'est... C'est l'état dans lequel j'étais. Et l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Et les... La différence, le jour et la nuit, je suis rentré ici avec... Enfin, j'étais dans un état presque suicidaire. J'étais tout maigre, je faisais 50 kilos sur la balance. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et là, aujourd'hui, bah, c'est l'opposé total, quoi. Je veux dire, je vais vachement bien. Quand je les vois, c'est toujours un plaisir. Donc, du coup, tu prends en main des gens... Mais TJL n'est pas le seul acteur du mieux-être de Geoffrey. Si on sent... que c'est plutôt, vous voyez, comme après un harcèlement, un effondrement intérieur, et bien là, on dit, ah, tu vois, ça, il va falloir que tu le travailles avec un psychologue. Parce que ça, il faut que tu reconstruises, mais nous, on est sur le conscient, on ne va pas dans l'inconscient. Donc ça, avec un petit dessin, on lui fait vite comprendre que ça, on ne touche pas. Mais surtout, nous, on ne prend pas la place des autres. On n'est pas assistants sociaux, on n'est pas psy, on n'est pas... Voilà, hein, on n'est pas médecin. Alors, quand cela est nécessaire, l'association passe le relais à des professionnels comme le psychothérapeute Jacques Kiefer, qui a accompagné Geoffrey. Geoffrey, simplement, va mieux. Il conservera peut-être, mais comme chacun de nous, une forme de fragilité. Simplement, à travers... l'expérience de la rencontre des gens de TJL, à travers l'expérience de la thérapie individuelle, il sait aujourd'hui comment s'y prendre. Il est outillé pour, s'il devait rechuter, si je puis dire, il sait aujourd'hui comment se relever. C'est ça qui fait la différence. Je ne parle pas de guérison, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est outillé. Au-delà des problèmes que j'avais eus avant ça et de l'état dans lequel j'étais, il y a eu d'autres problèmes qui se sont rajoutés en chemin que j'ai réussi à surmonter en plus. Donc oui, quand je viens ici, je suis fier. TJL est une association laïque et ses membres sont libres de leurs convictions. Ainsi, l'un des écoutants, Emmanuel, est prêtre. Moi, de toute façon, il n'y a pas qu'à TJL que j'ai un engagement citoyen qui se fait au nom de mes valeurs de foi. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, on ne nous demande pas forcément d'afficher comme un étendard ce pourquoi nous faisons les choses. L'important, c'est de les faire. Et le pape François est le premier à le dire, d'être aux côtés de ceux qui souffrent, sans d'abord chercher forcément à les convertir. Donc, cette gamine, elle est venue chez vous comment? Ah ben, elle est venue par l'établissement. De Saint-Joseph de Rouffach. C'est l'établissement qui vous a mis en contact. Les bénévoles sont soutenus dans leur mission par la psychologue Francine Friebungert. Pour elle, TJL est une opportunité pour les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs adultes et stables et fiables. Et malheureusement, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'adultes autour d'eux, mais il n'y a pas toujours des adultes disponibles. Donc d'avoir cette association qui se dit
nous sommes là et on peut t'écouter, je pense que ça fait, je dirais, une chance pour ces jeunes. Après, ils viennent ou ils ne viennent pas, ils l'apprennent ou ils ne l'apprennent pas, mais en tout cas, c'est une porte qui est ouverte et qui permet à ces jeunes de la pousser. Et ça ne fait pas peur parce que c'est pas, on ne va pas chez le psychologue, on ne va pas chez le psychiatre, on n'est pas fou. On est là parce qu'on a des questions et on aura besoin de déposer un peu le paquet, on a besoin d'avoir un retour, on a besoin de se faire, enfin, d'avoir des personnes qui écoutent un peu. Avec plus de 100 jeunes accompagnés l'an dernier en Alsace, la raison d'être de TJL n'est plus à prouver. Ben moi, je dirais que TJL, c'est une goutte d'eau dans un océan, hein, ça c'est sûr. Mais il faut le faire, c'est un peu la politique du colibri, hein, chacun fait sa part, TJL fait la sienne. Mais c'est vrai qu'il y a certains jours où on se dit, mais on n'en finira jamais. Alors en même temps, Jésus a dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Là, on le vérifie, mais chacun doit faire sa part, là où il est. Ça, c'est ma conviction. Après 2 ans de travail avec TJL, Geoffrey envisage enfin l'avenir sereinement. Ah, aujourd'hui, je suis épanoui, comme jamais. Bon, il y a toujours, forcément, il y a toujours des vieux démons derrière. Toujours, moi, par exemple, je suis un ancien fumeur. Il y a toujours une tentation quelque part qui est là quand on est à une soirée, qu'on voit un mec s'allumer un joint. On a envie, mais c'est facile de lutter contre au bout d'un moment, c'est juste une habitude. Ensuite, bon, bah, j'ai trouvé ma voie. Bien, voilà, j'ai bossé pendant 2 ans chez McDo. J'en ai chié pendant 2 ans, mais pas pour rien. Aujourd'hui, je suis stagiaire coach pour être coach sportif. Donc, je suis en train actuellement de passer un diplôme qui s'appelle le BPJEPS et qui me permettra de faire ce que je veux de ma vie, en fait. Voilà. J'ai trouvé ma voie et j'ai envie de m'axer aujourd'hui, maintenant que moi je suis bien, j'ai envie de m'axer vers le bien-être des autres. Voilà, par le sport, par une des sources qui m'a sauvé de tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Consacrer plus de temps aux autres, c'est aussi ce que Coraline retient de cette expérience. Elle est aujourd'hui bénévole à la Banque Alimentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette association toujours là, connectez-vous sur le site qui apparaît au bas de votre écran. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Au revoir à tous.